Alors, on n'a pas de interrogation, dites-le. Enfin, pas d'interrogation, même. Pardon. On n'a pas d'ordre donné pour aujourd'hui? Bah non, écoute. Ok. Ah bah tiens, on a un départ. Ah bah tiens, c'est CCRL. On part pourquoi? C'est au village et c'est tout ce que je sais. D'accord. Eh bien écoute, on est parti. Si c'est au village, on est parti, écoute. Hein. Mince. Au village, tu dis? Ouais, mais on n'a pas de précision sur l'origine du départ. Ok. CCRL 1 de CSP Creil, départ pour. Départ pour. Ah merde. CCRL CSP Creil pour CTA, demandons plus d'informations sur l'intervention. CTA pour CCRL CSP Creil, n'avons pas plus d'informations que ce que vous avez déjà. Donc en gros on a l'adresse, on ne sait pas ce que c'est. Tac tac tac, donc du coup c'est où? C'est là, tu vas voir que c'est là. Ah ouais c'est là, regarde. Il y a du monde qui nous attend. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu fais gaffe? Ouais. Alors je vais me mettre ici, là. Enfin, je vais me mettre là sur le bord de la route, comme ça. Je gênerai pas s'il y a besoin de passer avec une ambulance. Voilà. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est notre amie, elle a du mal à respirer, donc du coup on vous a appelé. D'accord. Donc vous, on a engagé un CCR. Le CCRL pour rien. J'adore. Autant on va prendre la trousse premier secours. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est de l'autre côté. T'appelles, s'il te plaît, le CTA et tu demandes en renfort un VSAV. Une AR, demande l'AR en renfort tout de suite. CCRL 1 de CSP Creil pour CTA, demandons en renfort l'AR sur intervention. Ah bah tiens, départ AR01 en renfort CCRL. J'attends les collègues. Hop. On est parti. C'est où? Au niveau du village. Place du village en haut. Ok. On part pourquoi? Pour une personne qui fait une crise d'asthme, apparemment. Enfin, difficulté respiratoire, certainement due à une crise d'asthme. D'après la famille de la victime. D'accord. Ouais, la gauche. Ou la voiture. Oh, tant pis. Je vais griller le passage, mais c'est pas grave. Il était pressé. Allez, je sais pas bien ce que je viens de faire. Elle va où lui? Il va où lui? Ok, donc lui il va là, on est bon.
R01 CSP Kai se présente sur intervention pour personne en difficulté respiratoire due à une crise d'asthme. Bon, on la sort, on va la mettre là sur le parvis. Ouais. Équipier prêt pour lever. Ouais. Équipier prêt pour lever. Lever. Hop. Poser. Tu me fais le bilan, toi, enfin, tu la stabilises? Ouais, moi j'ai passé le message au médecin juste à midi. VSAV1, CSP Creil pour 115, demande pour bilan. Donc, nous sommes prêts aux côtés d'une personne, d'une femme de 35 ans qui fait une crise d'asthme. La dernière crise remonte à même pas 2 minutes. Prise en charge, elle est actuellement en train d'être stabilisée par le médecin, des pompiers, par le médecin, et elle sera transportée au centre, au CHU. Voilà, fin de bilan. Hop, voilà. Je t'ouvre le VSAV. VSAV1 pour CSP Creil, nous entamons le transport de la personne. Tu fais attention quand même? Ouais. Pas lui rêver, pas rêver. Tu me dis s'il faut que je m'arrête. Ouais. Vas-y, hein, tu peux rouler pour l'instant. VSAV1 pour CSP Creil se présente sur l'hôpital. Par contre, ça doit être chiant pour les personnes qui sont au rez-de-chaussée là. On va devoir les. Chaque fois les. Tu sais, les bleus. Ouais. Bon, j'ai déposé mon bilan en haut et. On se retrouve à Pâques. Ouais, ça marche. Attends, j'ai avec toi quand même. Pour voir comment tu fais. Ouais. Alors, on est parti. Salut, salut. Alors, tiens, je te dépose le bilan. Donc, ça, c'est la personne qui a fait la crise d'asthme. Donc, voilà. Bah, ouais, écoute, fait beau. Bon, allez, je te laisse, j'ai mes équipiers qui m'attendent. Salut. Ah, mince. Eh, franchement, la porte, c'est pas pour les gros. En espérant que mes coéquipiers et que mes équipiers ont fini, ouais. Et on a fini de nettoyer le VSAV. Ok, bah écoute, on rentre à la caserne. VSAV1 pour CSP Creil, fin d'intervention, nous sommes retour caserne. Est disponible. Bang. C'est bon, ouais, c'est bon, nickel. Attends, il y a un truc qui vient de glisser là. Ouais, toi? Ah, c'est le gyrophare du haut. Ils l'ont pété. Là, après celle-là. Ils ont pété un gyrophare. Bon, bah tant pis, hein. Ils ont pété un gyrophare. On va devoir. Bon, bah, on va dire au capitaine.
Je crois qu'il y en a en plus des jeux, des globes généraux. C'est la protection au bleu là. Je crois qu'il y en a dans le camion logistique. Tu iras voir. Ouais. Bon, attends, monsieur. Bon, par contre, désolé, sergent, pour le l'abus du retard. Tu laisses l'air de sortie puisque il faut le montrer au capitaine. Ouais. Non, mais tu sais, je la remets juste au niveau dans son casier, pas dans son casier, mais dans la place habituelle, quoi. Ouais. Je sais pour qu'on puisse la rebrancher. Bon. Je vais aller voir le sergent et le capitaine. Enfin, le capitaine et le capitaine. Et... Bah, tiens, il est dans le. Comment ça s'appelle? Dans le. Mon adjudant, mon capitaine. Mon capitaine, petit problème sur l'ambulance de Réa. Quand on a quitté le CHU Creil, on a reçu un projectile sur le véhicule et ils ont pété un gyro. Ouais, bah c'est pas grave, tu vas voir dans le camion logistique, normalement t'en as encore un. Merci bien, mon capitaine. Dans le camion logistique, il doit y en avoir encore. Ah ouais, effectivement. Il n'y a quasiment jamais de véhicule logistique, c'est plus ça. On a l'arme, on sait pas à quoi il sert. Donc on va vérifier. Nickel, comme ce qui m'a le premier jour. Bon, voilà, c'est bon, je viens de le changer. Ouais, ça marche. Bah ouais, en espérant qu'on se reprenne pas un projectile dessus, quoi. Bon, je vais revaguer, mais je vais aller chercher un café. T'en veux un? Ouais, vas-y. Merci.